Oui, mais là, rien de très étonnant. On a pas grand chose pour l'instant à se mettre sous la dent en termes d'agressivité. Attention, le wall qui est mis de la part de Kitty pour essayer de canceler un petit peu l'agressivité. Oh, là, on tire un close, Cass qui va du coup tomber, Kitty qui va être la prochaine cible du jungle dans les bras de gardien. On va mettre l'ulti du côté de Seitan, ça ne suffira pas. On donne 2 kills au Diffuse Kids. La TP de Lenny qui prend le kill sur Albert Raber et c'est ensuite. Lenny qui prend le kill sur Valyrian. Et ensuite, Albert Raber qui récupère également son petit kill. 2 à 2 sur cette action et très très belle déclin de la part du top laner. Ouais, non, 2 à 1, hein. Il y a eu un seul kill récupéré ici par les Boisseaux Guardians. Mais en tout cas, ouais, la TP de Kavombi qui arrivait un tout petit peu après celle de Lenny, et du coup, Lenny qui a eu beaucoup plus d'impact finalement, Kavombi qui est arrivé, qui a utilisé un TP, et puis le fight était déjà à peu près terminé. Du coup, le top laner des Brussels Guardians qui était un peu déçu. Par contre, on a pas vu ce montage conséquent sur Albert Raider en termes de dégâts, ne serait-ce que par le fait d'avoir 3 kills, effectivement, mais en plus d'avoir ce passif qui continue de lui donner des bonus d'AD, ça va être compliqué là pour Albert Raider d'être aussi impactant que Valyrian. Après, en teamfight, bah voilà, hein, Rengar, ça monofocus une cible, et puis bah, c'est compliqué. Attention, Lenny, ça a une ulti directement sur Kitty. Derrière, on a Valyrian qui récupère le kill sur Kass de nouveau. 4ème kill récupéré par le jungler, et on donne le kill sur Kitty. Ioni qui récupère son first kill, Seitam est toujours sans kill à son actif pour l'instant, mais on prend 2 kills là-dessus, et voilà, on en parlait justement du Valyrian, qui va commencer à faire très très mal, qui va commencer à être compliqué à gérer, alors qu'on voit Lenny qui essaie de mettre des dégâts, bon, sur Kavombi, c'est rien, Maokai, ça ne devrait pas aller plus loin, mais Valyrian, non, voilà, maintenant Valyrian, il est très très bien dans sa game, et il peut faire énormément de sons sur le jungler, sons sur ce Rengar Valyrian qui est très très bien dans sa game. Attention, Ioni qui va aller claquer l'outil directement sur le Fleurier, on va mettre le tir, on va essayer de mettre pardon, le silence. On a Kass qui a tenté de détruire les heures, ça suffira pas, Valyrian qui est derrière pour essayer de prendre les dégâts. C'est chose faite maintenant, c'est la cible, c'est Albert Raider. Albert Raider qui est route, récupéré par Kavombi derrière, c'est Poppy. Poppy qui fait des gros dégâts, qui s'empare de Ioni mais qui est un petit peu dans la tourmente. 4 membres de Diffuse qui peuvent mettre le maximum de dégâts. Lenny qui va tomber, non, Lenny qui va s'en sortir, double kill par Lenny. Tass qui tombe également sous les marteaux du Yordle, et derrière c'est un 2-1 seulement, donc 2 pour 2, Albert Raber effectivement tombé également, 2-2, très beau trait de connaître du Diffuse, et Lenny qui tank tellement. Ouais, en tout cas super bel engage, et aussi également de Kavombi ici, hein, qui est arrivé par derrière avec un très bel ulti qui a récupéré pas mal de joueurs des Diffuse Kids. Ça a vraiment bien stabilisé le fight et ça a permis encore de rentrer quelques dégâts, malheureusement pas assez pour tomber l'ennemi ici, mais c'était très très bien tenté ici du côté du top laner des Brussels Guardians. Mais on le voit, hein, le Rengar qui a un burst, hein, qui a des dégâts, la T1 mid qui tombe sans défense, hein, du côté des Diffuse Kids. On n'a pas défendu, on n'a pas jugé bon ou on n'a pas jugé possible de défendre cet objectif, alors que Kassadin lui continue son travail de split push, peut-être la prise de la T1 bot qui est quand même très très haute en life, et on part sur le Nashor et c'est pingé immédiatement du côté des Brussels Guardians. Ça va TP. Kavombi qui est parti du coup, qui utilise son ulti pour temporiser. Là, Poppy qui sort complètement du fight, le top laner adverse. Par contre, la Zaira qui est tombée. Et là, on va essayer de tomber. Le Nashor, c'est quasiment à 50-50. Albert Driver qui est mort. Et du coup, le Nashor qui est récupéré par les Brussels Guardians. Il y a énormément de kills qui sont récupérés par les Brussels Guardians. Il y a 4 joueurs des Diffuse Kids qui sont down. Il y a un Nashor qui a été récupéré. C'est terrible pour l'équipe Red Side ici. Personne du côté des Brussels Guardians n'est tombé. On a laissé cette T1 au bot. On a jugé qu'effectivement, il a complété son collier dedans. Oh, on a un petit peu surestimé ses dégâts. On avait directement cliqué pour repartir. On a dû claquer quand même le W sur cet ADC, enfin ce Carthus. Et on récupérera un 13ème kill pour Valyrian là-dessus. On n'a aucun inhibiteur de up et on n'a pas de quoi défendre lorsque les Brussels Guardians décident que la game est finie. Ouais, ça semble quand même assez mal parti du côté des Diffuse Kids, hein, les Brussels Guardians qui ont pris un avantage clair et net, hein, depuis la prise de Snashor et ce teamfight mal négocié. Alors on voit aussi une petite mise à jour au niveau de la map, hein, les grosses birs qui sont désormais mieux signalées sur la minimap. Oh, mais c'est intéressant. Ça, je trouve que c'est un bon ajout. C'est plutôt intéressant. C'est critiquable parce que du coup, si on voit quelqu'un qui essaye, voilà, de les ralentir peut-être.